Aujourd'hui, nous sommes mardi 13 décembre 2022. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Moi qui vous parle, je suis sur l'avenue Lupunga, à la hauteur du quartier Mama Yem, dans la commune de Ngaliema. Là, nous sommes à la hauteur en face de l'école Reverend Kim, qui est au quartier CPA Mouchi, que vous pouvez percevoir à 50 mètres, qui est au quartier CPA Mouchi, dans la commune de Mongafula. Aujourd'hui, il s'est abattu une grande pluie, et que vous voyez les eaux des pluies n'ont pas été contenues par la rivière Lupunga. C'est comme ça qu'elles ont débordé toutes les maisons qui sont le long de la route qui quitte Pompage jusqu'à l'usine Régie des eaux. La route qui va Don Bosco, Kimboala, en passant par Pompage, elle est inondée par les eaux de pluie, comme vous pouvez les apercevoir. Une grande inondation, les gens pour se mettre à l'abri des eaux, pour éviter d'être emportés par les eaux ou les murs qui peuvent s'écrouler, se sont mis sur les tôles. Là, vous êtes en train de voir les autres sur les dalles de chantier en construction. Vous pouvez voir à distance là-bas, il y a une grande maison en construction. Il y a plus de 100 personnes au-dessus de la dalle, de familles, beaucoup de familles ont pris refuge au-dessus de cette dalle-là, où on appelle chez papa Apollo. Là, c'est juste à la hauteur de la place Mondovision. Et nous vous disons que les eaux ont débordé. La plupart des maisons sont sous l'eau. Même nous qui vous parlons ici, nous avons mesuré les eaux au niveau du salon. C'est à peu près 60 cm. Donc, toutes les choses flottent au-dessus des eaux, même dans des maisons. Vous verrez même un véhicule d'un voisin, un véhicule qui était de passage, qui a été emporté par les eaux et a été renvoyé. N'eût été le caniveau qui avait été érigé à cet endroit, ce véhicule de type Ipsum Toyota serait parti par les eaux. Vous verrez de l'autre côté, les gens sont coupés, il n'y a pas de passage. Et nous disons que la situation est catastrophique. Ça, c'est du type de catastrophe naturelle. Nous pensons que les autorités vont suivre ce cri d'alarme et pourront voir comment venir en aide aux populations qui seront sinistrées. Mais il faut ajouter ici que nous pouvons dire que la cause de ce débordement des eaux, parmi l'une des causes, c'est l'érection d'un dépôt des immondices à côté. Dans ma maison, et le père est un adulte.